Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie, les amis, de vous retrouver pour notre guidance du week-end, le week-end du 23 et 24. Et surtout, je vous remercie de prendre le temps de m'accueillir chez vous, de m'écouter. Maintenant, vous pouvez très bien m'écouter qu'après, c'est pas grave. Les énergies ne sont pas fixées dans le temps. Je sais que certains sont occupés avec leur famille. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Si ce n'est pas le cas, eh bien surtout, on ne part pas dans la négativité. On pense à soi, je l'ai dit tout au long de la semaine. On fait le choix, peut-être pour certains, d'être seul. Pour d'autres, c'est subi. Eh bien, écoutez, on se prend un petit chocolat. On se met dans un film. Voilà, on tourne tout à la positivité, surtout les amis. Chaque moment doit être un moment précieux, que ce soit pour soi ou avec les autres. Alors, on va faire un truc que je n'ai jamais fait pour le week-end, c'est associer notre samedi, notre dimanche aux planètes et voir un petit peu chaque... Donc, le samedi, par exemple, le samedi, il est associé à Saturne. Bon, Saturne, c'est l'introspection, c'est le calme, c'est la méditation, la réflexion, c'est le patrimoine familial, c'est également tout ce qui est la sobriété. Et les couleurs qui sont associées à notre samedi, eh bien, c'est le gris, le marine, le noir, le marron. Ce sont plutôt des couleurs, on va dire, foncées, hein. Et notre dimanche, eh bien, le dimanche, il est associé au soleil. On aime. C'est l'énergie, le soleil, hein. C'est l'optimisme, c'est le bonheur, c'est la spiritualité, c'est l'union, l'aide, la gratitude. Et les couleurs qui sont associées, forcément, elles sont vives. C'est l'orange, l'or, le rouge et le jaune. Voilà, j'avais envie de vous partager ce petit moment, parce que c'est vrai que je ne m'étais jamais penchée sur ces choses-là pour le week-end. Alors, eh bien, écoutez, on va regarder tout de suite avec notre jeu de 32. On va survoler les petits tirages, hein. On prendra ensuite Béline de Joanne, le Normand de Noël. Et on finira avec trois cartes de l'oracle des amoureux que je n'ai pas sorti, que j'irai chercher après. Allez, mais tout de suite. Hop. Bien là, nous avons des déplacements. Forcément, nous sommes quand même dans le moment des fêtes. Donc, il y a les gens qui vont prendre la voiture, les transports, en lien avec un homme ou pour un homme. En tout cas, il y a bien du déplacement, du changement. Et oui, effectivement, ça coûte des sous, hein, on le voit ça, hein, surtout les billets là. Si certains prennent des billets de transport, les tarifs ont explosé, hein. L'essence, n'en parlons pas également. Alors, trêve de plaisanterie. On voit très bien qu'il est question là d'un départ, hein, de projet en tout cas, avec un homme ou en lien avec lui en tout cas. Et puis, ben, on voit très bien qu'il y a l'argent qui est là par rapport à ce changement. Peut-être qu'il est question de déménagement aussi pour cette fin d'année. Pourquoi pas? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Nous avons vous, ma consultante, une femme proche de vous, les amis. Beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions de partager. Peut-être justement en lien avec un déplacement, en lien avec un voyage, un changement. Beaucoup, beaucoup d'émotions. On retrouve bien cet argent, c'est peut-être une de vos préoccupations, bien entendu. Il peut y avoir aussi un changement qui concerne les finances, hein. Eh bien, en tout cas, regardez ça, c'est une réussite, les amis. Franche réussite. En dominant, nous avons une situation du lointain, un autre département, une autre ville, un homme d'origine étrangère ou un homme qui habite au lointain également, hein. Il peut y avoir quelque chose qui est un peu déstabilisant. Cet homme peut-être aussi est lui-même déstabilisé par rapport à une situation qui peut aussi s'engager assez vite. Nous avons ici votre homme de cœur. Alors effectivement, ça peut être lui, hein. Il habite au lointain, il est question peut-être de le retrouver. Là, il y a des situations qui nous mettent un petit peu mal pour cette fin d'année si cette personne vit au lointain. Beaucoup d'émotions et c'est peut-être aussi en lien avec un papa. En tout cas, une personne qui compte pour vous. Et nous avons ici, ça peut être votre fils, votre petit-fils, hein. Nous avons un homme de cœur également. Il est question des personnages aujourd'hui qui sont peut-être au lointain, avec lesquels ils sont concernés pour ce week-end. Et oui, voyez, il est bien question de projets. Des projets en lien avec ces personnes. Il y a beaucoup d'amour et des projets sentimentaux, des projets émotionnels, hein.
C'est vous ma consultante, si vous êtes aux cheveux clairs ou sinon, c'est en lien avec votre fille, votre sœur, votre meilleure amie. Je pense plus aux enfants là et petits-enfants. Attention, il y a une situation un petit peu véreuse entre guillemets autour de tous ces gens-là ou autour de vous en tout cas. Eh oui, alors on retrouve, il y a une femme, il y a une mauvaise femme, il y a une situation, on va dire effectivement, malsaine autour de cette situation qui est du lointain, je le répète. Hein. Ça vous mine, hein. Là on est en état d'esprit, ça cogite, vous allez peut-être avoir à recommander à ce propos. En tout cas, il y a une situation qui vous fait cogiter sec. Hein. Elle est en lien avec votre activité du moment, votre activité de la vie de tous les jours, mais elle peut être en lien aussi avec votre activité principale, professionnelle également. Eh bien, regardez, c'est une validation. Est-ce qu'il n'y a pas un CDD qui est transformé en CDI? Une situation précaire qui est transformée en situation plutôt du long terme? Je vous le souhaite, si tel est le cas. Nous avons ici une femme d'autorité. Ça peut être aussi vous, veuve célibataire, plus de la cinquantaine. Ça peut être aussi une maman. Une personne en tout cas qui sait ce qu'elle veut. Hein. Vous allez en avoir des nouvelles, les amis. Alors, il se peut qu'une situation qui est liée du lointain, hors de votre zone de confort, elle soit certifiée, validée concernant un projet, un changement. Quelque chose qui vous a mis un petit peu, qui vous a perturbé, bien entendu, et qui ensuite peut aller assez vite. Hein. Ça peut vous concerner vous, mais également, ça peut concerner une personne âgée autour de vous. On voit ici très bien une situation également avec vos enfants, votre homme de cœur, des nouvelles qui vont arriver, une transformation également professionnelle pour ces gens-là ou pour vous. Attention néanmoins à des gens pas tellement sympathiques autour de votre fils, de votre frère ou de votre meilleur ami, ou tout simplement vous allez avoir un coup de pouce par rapport à une situation qui n'était peut-être pas tellement, on va dire, bien engagée. Le 7 de le 8 le 9 le 10, il y en a un là, 2 le valet. Il y en a trois. Nous avons trois valets. Eh bien, les trois valets, effectivement, il y a des discussions, de la négociation dans l'air. Là, ça va discuter ferme. Hein. Les dames, une, deux, trois dames. Bon, eh bien, trois dames, il va sans dire qu'il va falloir être prudent. Il y a de la rivalité, mais sans surprise, avec une dame de carreau et un valet de pique. Situation un petit peu compliquée autour de vous. Ou alors, c'est vous aussi qui vous faites pas mal de... Hein, ça cogite, ça travaille là-dedans les ménages. Hein. Les rois, 1, 2. Bon, allez, j'en mets une sur la dame de carreau et notre valet de pique. Qu'on voit un petit peu quand même ce qui se passe. Dame de carreau, valet de pique. Alors, la dame de carreau. C'est pour un nouveau départ, les amis, effectivement, elle est là, elle peut freiner une situation. Hein. Ou bien c'est tout simplement aussi une personne qui porte un uniforme, une blouse, qui est dans une profession libérale, qui est là, vous allez avoir affaire à elle. Le valet de pique, attention, ça peut être une dame brune autour de vous, mais ça peut être directement vous, ma consultante, qui êtes concernée. Hein. Alors donc, prudence. Allez, nous avons ici une situation du lointain avec votre fils, votre frère, votre meilleur ami. Ou c'est tout simplement une situation du lointain qui va être menée, on va dire, très simplement et en toute loyauté. Il y a quelque chose qui est validé en tout cas. Et ça, c'est une bonne chose pour vous par rapport à une situation qui n'était pas saine. Elle est validée. Nous avons une femme ici. Elle est en lien avec votre travail, votre activité professionnelle. Pour certains, ça peut être une chef de service. Eh bien, il y a un nouveau départ qui se fait, les amis. On a des beaux projets également qui sont là. Vous allez recevoir des courriers à ce propos. Nous avons une situation qui peut avoir déstabilisé votre homme de cœur. Un homme qui compte pour vous. Hein. Ça peut être aussi un papa, un ami. Quelque chose qui va aller assez vite. Et nous avons ici, ça peut être vos parents aussi, parce que je vois là la dame de pique également. Et au milieu de cette situation, vous avez peut-être quelque chose qui vous perturbe concernant vos parents. Et on voit très bien que ça cogite, hein, ça vous fait perturber. Peut-être allez vous aussi avoir un écrit, des recommandés, quelque chose en lien avec vos parents. Ou bien ça peut être aussi vous, veuve célibataire, plus de la cinquantaine, en lien avec vos enfants, votre fille, par exemple. Voilà tout ça les amis, n'oubliez pas que si c'est en lien avec le professionnel, les énergies ne sont pas figées dans le temps, hein. C'est pas forcément pour ce week-end. Allez, un petit 13 cartes avec Monsieur Béline,
le bélier de Joanne. J'ai vu que vous aviez apprécié les cartes qui sont très belles. N'oubliez pas d'ailleurs que Essence Mana, en dehors de leur propre promotion, et ils en font régulièrement, vous avez toujours mon code partenaire, -20% sur la boutique avec mon code partenaire. Vous trouverez dans la barre d'infos, les amis. En dehors, je le répète, de promotion habituelle. Alors, nous avons quelque chose qui se casse la figure en famille. Oh là là! Ouh là là! Il y a effectivement là des tensions. Ça peut être de la dispute. Ça peut être un problème familial. On est à l'annonce des fêtes. Il y a des familles qui se... Ben, malheureusement, qui se disputent. Il peut y avoir effectivement... Il va falloir un gros lâcher-prise là concernant l'émotionnel. Il va falloir peut-être... prendre un petit peu de recul. Il peut y avoir de la dispute également pour certains côté cœur. Ça peut être aussi en lien avec les finances. On peut ne pas être d'accord, mais on voit très bien qu'à un moment donné ou à un autre, les choses vont arriver, vont revenir à leur place, les amis. Une, deux. Je la mets là parce qu'elle a voulu parler. Alors, au dos, et ben, voyez, au dos, on retrouve bien ce côté quelque chose qui se casse la figure là. Il va quand même falloir prendre beaucoup de recul et réfléchir sur une situation qui peut-être occasionne pas mal de problèmes. Mais en y réfléchissant et en prenant un peu de recul, on voit que les choses vont évoluer dans votre sens. En dominant, nous avons, oh, l'union, regardez-moi ça, ce cœur en feu, l'émotionnel, le sentimental, mettez-le à votre situation, bien entendu. Eh bien, il y a quelque chose qui va s'arrêter au niveau émotionnel ou même au niveau sentimental. On met un terme à une situation, peut-être à un état d'esprit également. Eh bien, les choses vont évoluer, on met peut-être un terme à une situation qui ne convenait pas, pour pouvoir évoluer dans cette situation émotionnelle ou sentimentale. Et regardez ça, vous allez être reconnu, entendu, écouté, les choses vont vraiment bien évoluer. Beaucoup de passion, oh là là, vous avez la grâce. Vous avez la carte la plus belle, beaucoup d'émotions et de passion pour vous. Des disputes sont à prévoir, du conflit autour de vous. Mais vous allez trouver la solution, les amis. Vous allez trouver comment vous sortir de cette situation. Regardez, ça peut être en lien avec un héritage ou peut-être aussi que c'est une situation qui perdure depuis un certain temps. Et la passion, elle est là. Alors effectivement, il y a peut-être, on va dire, quelque chose de passager, une dispute dans le couple, ça peut arriver, on peut ne pas être d'accord. Allez, on va y mettre fin puisque la situation s'élève. Maintenant, il peut y avoir tout simplement aussi une situation qui met énormément de passion, qui met le feu, j'ai envie de dire, émotionnellement. C'est dans la famille, il peut y avoir beaucoup de passion familialement également, je vous le souhaite bien entendu, c'est le week-end pour, oh, beaucoup d'amitié aussi, beaucoup de choses qui sont très sincères, on va être entouré d'amis, de sa famille, et ça, beaucoup d'émotions pour certains. Nous allons avoir une grande paix, une belle sérénité, on va se sentir bien. On va se sentir posé. Oh là là, regardez ça les amis. Vous avez l'appui. Vous avez la grâce et vous avez l'appui. Oh, des très belles cartes. Et celle qui a voulu, qui est tombée là, il y a quelque chose qui ne va plus vous atteindre. On va faire comme un break, vous voyez. Une situation qui ne bougeait pas, elle ne vous atteindra pas ce week-end. Parce que vous êtes vraiment dans, dans le beau. Il peut y avoir une belle union avec un ami également. Quelque chose de bien, on va dire, de partager, quelque chose de beau, de partager. Pour certains,
pas pour tout le monde, il peut y avoir une dispute légère avec un ami ou dans le couple. Mais de toute façon, il y a une très belle élévation qui arrive là. En plus, vous avez la grâce et l'appui, les deux cartes les plus fortes. Les situations délicates, elles prennent fin. Hein. On voit qu'avec la famille, il y a quelque chose de beau qui se passe. Il y a de la passion, il y a de la rencontre. Il y a des solutions qui sont amenées, en tout cas. Même pour vous, si vous n'êtes pas concerné, il y a vraiment de l'appui, une belle grâce, quelque chose qui perdure depuis peut-être un certain temps. Eh bien, vous allez avoir une belle élévation. Vous allez vous sentir passionné. Vous allez vous sentir, on va dire, bien vous-même également dans votre tête, dans votre peau. Fini les difficultés. C'est un beau tirage avec Monsieur Béline, là, hein. Bon, allez, on va prendre quelques cartes avec l'oracle, le Normand de Noël. Allez, week-end du 23 et 24. 3, 24, j'en profite pour prendre mon jeu hop, que je n'avais pas sorti de l'oracle des amoureux. Nous avons le trèfle, un grand coup de chance. Il peut y avoir de très belles nouvelles qui vous arrivent là, de bâtiments publics. Vous prenez beaucoup de hauteur avec le sentiment d'avoir énormément de chance. Il peut y avoir aussi de bonnes nouvelles qui vous arrivent de bâtiments publics, des impôts par exemple, je vous le souhaite en tout cas, comme un coup de chance, peut-être aussi une chance aux affaires, en affaires pour certains. On voit que vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction, hein, vos chemins, votre chemin va se retrouver en fait comme un chemin de vie qui s'éclaire. Vous avez eu foi dans ce que vous voulez faire, et bien on voit que vous allez vers de l'avant là. Allez. On va en prendre quelques-unes comme ça. On va prendre les messages qui viennent comme ça, si vous le voulez bien. Alors, ici, nous avons la faux. La faux permet de couper, de récolter, de faire face à quelque chose aussi. C'est la moisson, c'est la récolte. Les souris, on a peut-être un petit stress. On est un petit peu inquiet sur une situation, sur une décision que l'on doit prendre. Peut-être qu'on s'interpelle aussi. C'est peut-être aussi tout simplement son fond intérieur, hein, son état d'esprit qui est un tout petit peu, on va dire, perturbé. On est peut-être inquiet pour des enfants, tout simplement. On est peut-être anxieux, tout simplement, pour des enfants. Il est peut-être également qu'il est question aussi de... d'avoir peur de perdre quelque chose, d'avoir peur de ne pas retrouver quelque chose. On peut voir aussi qu'on a peur de démarrer quelque chose qui peut être nouveau. Avec cette montagne, c'est nous qui nous empêchons d'avancer. Un sentiment que vous avez peur d'avancer, que vous avez peur d'être bloqué, et ça vous occasionne carrément ce stress en fait. Comme si c'est son mental qui se bloquait, vous voyez, comme s'il y avait un défi à relever. Ce défi à relever, il est émotionnel. Hein. C'est comme si, par exemple, pour certains, vous démarrez un nouvel amour, quelque chose de nouveau, et vous avez peur de ne pas le réussir. Et vous êtes stressé, ça se voit. Hein. Vous êtes complètement stressé. Pour certains, ça peut être directement en lien avec des enfants, un enfant, situation. Pour d'autres, ça peut être directement en lien avec le couple et l'union. On a pu voir qu'il pouvait y avoir quelques petites tensions. Et nous avons ce serpent, ce côté diablesse un petit peu, parce que ça peut être le mental, hein, le serpent, hein, vous ne les voyez pas bien. Ça peut être le mental, hein, tout simplement. On se cogite, on se pose des questions. Je ris parce que ce serpent n'est pas. On va encore dire que je dis que c'est une femme, mais en général, oui, c'est une femme. Mais bon, ça peut être tout simplement aussi une situation qui vous fait que
qui fait qu'elle est malsaine, tout simplement. Vous voyez, on voit là que vous vous empêchez d'avancer, que vous avez le sentiment que vous allez être bloqué. Émotionnellement, ça vous stresse. Mais du coup, ben, on peut voir aussi que c'est comme si, y avait, pour vous, ça représente un danger, vous voyez. Vous avez peur aussi d'un danger. Hein. Il peut y avoir une personne envieuse autour de vous, pour certains, bien entendu. Mais on voit très bien que vous pouvez aussi avoir peur, vous, tout simplement, d'un danger. Il peut y avoir, dans une certaine situation qui nous intéresse, je pense notamment aux histoires de cœur, une tierce personne qui est là, pour laquelle peut-être vous êtes vigilant ou qui vous fait peur. Genre mettez-le à votre situation. Voilà. Nous avons ici, c'est peut-être lié, hein. On a le fouet, on a... Il peut y avoir une certaine tension, il peut y avoir quelque chose qui est ramené au sexe aussi, tout simplement. Une tentation, j'ai envie de dire, qui correspond bien avec ce qu'on a déjà vu là. Ça peut être aussi tout simplement une certaine tension avec des enfants ou en lien avec les enfants, tout simplement aussi. On peut voir aussi que... Il y a comme une petite dispute avec certains par rapport à une situation nouvelle qui démarre. Il peut y avoir une petite dispute en lien avec un enfant, ce sentiment justement d'être bloqué. Et ça peut être aussi son mental qui cogite pas mal. Hein. Il peut y avoir une petite dispute dans le couple également, on a pu le voir, en lien avec une tierce personne ou une tierce situation. Bon, on voit très bien que là, on est sur... pour certains, sentimentalement, sur un petit nuage, sur une histoire nouvelle qui démarre. Pour d'autres, on peut voir que vous êtes un petit peu dans le brouillard, parce qu'il y a une situation stressante, et vous avez le sentiment qu'elle ne va pas avancer, cette situation. On se fait beaucoup, beaucoup de films. Peut-être qu'on a un regard différent. Alors, pour certains, c'est le domaine professionnel, tout le monde n'est pas en congé, il y a des gens qui travaillent, il peut y avoir une situation, on peut être attiré par une tierce personne dans son travail, hein. Ça aussi, vous la mettez à votre situation, bien entendu, mais il peut y avoir aussi vous qui avez un regard différent, ou vigilant, plutôt, on va dire, sur, vous êtes en train d'observer différemment, parce que vous êtes un peu méfiant par rapport à une situation nouvelle qui démarre, hein, qui peut être sentimentale ou pas, hein. On voit très bien qu'il va être question de toute façon de couper, peut-être de prendre une décision d'ailleurs rapide, si tel est le cas. Vous allez recevoir pour ce faire du courrier, ou bien c'est vous qui allez faire un courrier, qui allez peut-être recevoir des nouvelles. Vous avez peut-être aussi pour certains recevoir des nouvelles professionnelles, de quelque chose qui vous fait, qui met un terme. C'est vous ou c'est de l'autre côté ou c'est l'autre partie. Hein. Mais il y a comme une situation de fin qui va s'arrêter et qui effectivement va vous déstabiliser. Maintenant, ça peut être également une rupture que vous avez demandée. Hein. C'est pour vous, mon consultant. Il peut y avoir ce type de on nous dit qu'il peut y avoir ce type de situation au niveau professionnel, mais il peut y avoir aussi ce type de situation sentimentale où j'ai l'impression que certains vont décider de faire autrement, de couper les ponts, même si c'est provisoire, il va y avoir comme une tension. Certes, pour d'autres, il y a quelque chose qui démarre, quelque chose de nouveau, de nouvelles amitiés, de nouvelles connaissances, et c'est peut-être ça aussi qui déstabilise. Bon, eh bien, dites-moi... Ça faisait pas mal de messages, tout ça. Bon, le soleil est là, hein. Le soleil va revenir, les amis. Par rapport à des déplacements aussi, des prises de décision, des visites que vous allez rendre, vous allez apprendre des choses, hein. Les choses vont être éclairées, en fait, hein. Vous voyez, vous allez pouvoir rattraper, on va dire, une certaine racine. Alors là, c'est aussi peut-être la famille, la profonde famille. On a pu voir avec des problèmes d'héritage, famille éloignée, peut y avoir une certaine tension aussi. Et cette tension, elle est encore une fois liée au hasard, hein, peut-être en lien d'ailleurs avec de l'argent. Il peut y avoir un soutien, un très beau soutien également de quelqu'un qui va vous permettre de sortir de tout ça et d'éclairer un peu la situation et votre chemin de vie. Bon, allez. On va prendre quelques cartes avec l'oracle des amoureux. Allez, quelques messages. Et après, je vous libère. Allez, encore un. Hop là, eh bien, c'est bien ça. Ça veut parler. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre.
et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Bien voilà les amis, j'espère que ce tirage, peut-être un peu express, vous aura parlé, vous parlera. Pour ma part, je vous souhaite un excellent réveillon, si tel est le cas. Je vous réitère mon remerciement d'être toujours présent à ma chaîne, d'être fidèle. Je souhaite aussi aux personnes qui n'auront pas leur famille ou qui décident d'être seules, je leur souhaite de passer un bon moment. Comme je disais, on peut passer un bon moment même si l'on est seul et surtout, surtout, on le positive. Je vous souhaite pour ma part un excellent week-end et je vous donne rendez-vous pour la semaine. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à bientôt.